ça va être le témoignage de l'observation. Et puis là, donc on est à l'endroit où il a fait son observation, un petit peu décalé par rapport à son frère, là. Donc, vas-y. C'est ça, le fameux soir du 16 janvier, on est arrivé dans le coin vers 5 heures. Puis Robin a aperçu des sphères lumineuses. Moi, je l'ai pas vu tout de suite. Je me suis dirigé près d'elle. Elle m'a pris la tête. Elle dit, regarde, c'est là, là. Là, je l'ai vu. C'était évident. Puis là, ça a comme sorti dans l'arrière des arbres. J'estime que c'était environ à 500 mètres de nous, là, peut-être au-dessus de la... Bon, peut-être qu'on le voit mal avec la caméra, mais il semble y avoir peut-être une vallée. Donc, ça pourrait avoir passé là, au-dessus. Disons, c'est sorti dans l'arrière de cette colline là-bas. C'est passé au-dessus de la vallée là-bas. Donc, c'est ça, environ à 500 mètres. Peut-être un 50 à 100 mètres de hauteur. De mon point de vue, à moi, là, c'est passé là, juste en arrière là, des sommets, là, des épinettes secs là, qui sont là, là. Donc, c'est passé dans ce sens-là. Ça m'a semblé changer de vitesse. Ça me semblait aller plus rapidement au départ. Ensuite, ça semble assez ralenti. À mon œil à moi, là, quand ça passait comme ça, ça allait plus tranquillement. Ensuite, je me suis déplacé pour le voir d'un autre point de vue. Puis ça me semblait s'en aller, disons, en direction du lac de la Borne dans ce secteur-là. Je peux pas dire si ça descendait, mais disons que j'ai fini par le perdre de vue en arrière des arbres que là. C'est quelque chose qui me semblait être parfaitement de niveau, ce que j'ai trouvé curieux aussi. Parce que si on pense à un hélicoptère, etc., un hélicoptère qui se déplace quand même rapidement, on voit qu'il y a un certain angle dedans. C'était constitué de 5 à 6 ou peut-être même 7, je dirais peut-être 6, 7 sphères lumineuses en ligne droite, collées une à l'autre. Très, très claires, donc. C'était très, très lumineux. C'était pas la nuit, là. C'était comme, disons, le début du coucher du soleil. Donc, il faisait quand même assez... Il faisait assez clair. Donc, c'était surprenant de voir des lumières aussi flash que ça avec la luminosité qu'on avait. Donc, c'est ça. Les lumières étaient plutôt bleu-vert. Puis, vers la fin, je dirais, le début de l'appareil, c'était beaucoup plus une lumière blanche et étincelante. Je me souviens que ce que moi, j'ai dit de vive voix, sur le coup, je dis, ben ça, c'est une très grosse hélicoptère déguisée, comme si quelqu'un avait voulu nous jouer un tour pour une raison que j'ignore, qui aurait eu cet appareil-là, disons, que j'estime à peut-être un 50-60 pieds de large. Ça ne faisait aucun bruit, c'est ça. En tout, mon observation à moi, je dirais peut-être l'équivalent d'une trentaine de secondes. Évidemment, il y a eu un peu d'énervement là-dedans. Je me suis déplacé pour aller avertir les deux autres personnes qui étaient dans leur véhicule ici, pour qu'eux aussi puissent aient la chance de le voir. Une chance que j'ai fait ça, parce que là, eux, ils ont eu la chance de le voir. Donc, c'est ça, sur à peu près 30 à 40 secondes, j'ai pu le voir. Évidemment, je me suis déplacé, j'ai été jusqu'à côté de l'arbre que là. Mais je me suis rendu compte que ça s'en allait d'une direction que moi, je peux pas continuer à le voir. Mais les deux autres personnes, eux, sont partis à courir par là-bas. Moi, j'ai compris que c'était mieux d'y aller avec mon camion. Donc, j'ai sauté dans mon camion, puis je suis parti le plus vite possible par là-bas, pour essayer d'avoir un meilleur. Mais à ce moment-là, je n'ai plus rien vu. Dans le ciel, on ne voyait absolument rien. Je me suis rendu jusqu'au chemin du lac Beauchamp. Je suis revenu, on a regardé partout, je suis revenu ici, etc. J'ai absolument rien vu d'autre. C'est ça, peut-être une dizaine de minutes après notre observation, bien, les premiers curieux sont arrivés. Finalement, on a été quelques centaines de personnes pendant toute la soirée, jusqu'à 8-9 heures du soir. Ouais. Quelle heure il était environ? Moi, je dirais 5h30, 6h moins 20. Fait que c'était sombre, là. Le soleil était couché ou presque, là, puis c'était... Ben, c'était sombre, c'était quand même assez clair. Le ciel était possiblement clair, mais au sol, c'était sombre, brunâtre, là. Oui, puis ce soir-là, là, et le ciel était très clair. D'ailleurs, lorsque la lune est sortie, là, parce que c'était un soir de pleine lune, là, tu sais, d'ailleurs, ce soir-là, ça valait la peine juste pour ça. On a eu le plus beau lever de lune que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, tout ça pour dire que oui, le ciel était très clair. Les formations nuageuses sont arrivées beaucoup plus tard dans la soirée, là, je dirais peut-être vers les 8h30, 9h. La lune se situait où? Complètement par là. Mais nous, la lune, on a observé le lever de lune quand, sur le buton là, là-bas. Là. Il y a un endroit où on est plus élevé là, par là-bas. Là. Ouais. Ben, tout le monde était à cet endroit-là pour regarder la lune où se levait. À Saint-Adolphe d'Howard, présentement, on est le premier qui est venu. Qu'est-ce que tu as vu? Moi, ce que j'ai vu, c'est arrivé là, de la montagne là-bas au début. Quand je me suis levé la tête pour le voir,
c'est des grandes lumières vives, comme des gros halos de lumière vives de plusieurs couleurs, là. Oui. Ça me semblait être quand même... Il y avait du bleu, du vert là-dedans. La place où est-ce que c'est arrivé, là, on le voit quand même assez clairement. Je me souviens, là, c'est, il y a deux épinettes là-bas, là. J'ai vu les lumières au début arriver là-bas, en arrière des arbres, là, juste en dessous des arbres. C'était gros environ comme ben, les deux arbres qu'il y a là, là, je veux dire, on les voit, là, il y a deux épinettes là, collées qui dépassent là-bas, là, entre les deux poteaux. Là. Ouais. Bon, ben, la lumière, c'est là que c'est arrivé au début, okay. Aussitôt que je me suis levé à la tête. Des grandes lumières vives, mais je voyais juste des gros halos de lumière. Puis aussitôt que je l'ai vu, je le voyais bien que ça se déplaçait par là. Ça se déplaçait par là. Fait que... Je les voyais en arrière des arbres, mais j'ai compris tout de suite que, à vitesse que ça allait, j'allais les perdre de vue en arrière de la montagne ici. Ah, excusez, en arrière des arbres que là. Moi, je suis parti en courant, puis j'ai été dedans le tournant là-bas, puis je le voyais, là, c'était plusieurs points lumineux. Je sais pas, il devait en avoir plusieurs, là, 6, 7, j'imagine, là. Mais il n'y en avait pas juste 4, parce que 4, ça aurait été facile à dire, il y en a 4. Puis il n'y en avait pas 5 non plus, mais en tout cas, il y en avait 6, 7. Puis ça allait en ligne droite comme ça. Toutes les lumières, c'était beaucoup plus de lumière en arrière. Les lumières se suivaient? Les lumières étaient toutes une à côté de l'autre comme ça, puis ils se suivaient. Ils étaient fixes une par rapport à l'autre? Oui, ils étaient fixes, effectivement, une par rapport à l'autre. C'était assez long, là, cette histoire-là. Là. Ça avait facilement au moins une trentaine, 40, peut-être 50 pieds de long. Moi, j'estimais ça comme un petit camion, là, comme un 35 pieds là, ou un 45 pieds là, de longueur. Puis je l'ai vu là deux, trois secondes, je suis parti en courant. Puis le plus que je courais, le plus que je voyais qu'il se déplaçait en arrière des arbres. Puis tout ce que j'ai vu pendant cette... parce que ça durait environ une quinzaine de secondes peut-être. OK. Les lumières, ils étaient là, ils se déplaçaient comme ça, il n'y avait aucun bruit, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de fumée, il n'y avait rien. C'était à hauteur des arbres, c'est ce que j'ai trouvé étrange là. C'était vraiment en bas. Je ne peux pas le voir de haut. Donc, selon toi, est-ce que c'était beaucoup plus loin que la montagne ou c'était vraiment plus au-dessus? Là? C'était comme plus assez proche. Donc, d'ici, là, on parlait de peut-être 100 mètres d'ici? Là? Non, c'est en dedans de 1 km. Ça, c'est en dedans de comme... Okay. Admettons, selon moi, c'est en dedans de genre 800 mètres. Là. C'était pas à plus qu'un kilomètre, en tout cas. Ça, c'est sûr. Là. C'est 1 km, c'est quand même pas si long que ça. Là. L'autre bord de la montagne, là-bas, puis là, oups, c'est parti là, dans la vallée. Mais moi, quand j'étais rendu sur le coin, là-bas, là, je le voyais, c'était... C'était parti, mais je pouvais pas le voir beaucoup. Il était tout le temps en arrière des arbres. Il était vraiment trop bas. C'est ça. Puis après ça, les gens qui étaient ici sont revenus. Puis on a été positionnés sur une place plus haut pour essayer de le revoir, mais on l'a pas vu. D'accord. Ben ouais. C'était le fun de le revoir. Je peux pas te dire c'est quoi. Selon moi, c'est pas... J'ai pas vu de forme. T'as pas pu reconnaître un appareil commun. C'est ça. J'ai pas vu de... J'ai pas vu comme s'il y avait des ailes, j'ai pas vu s'il y avait... C'était juste des gros halos de lumière, un côté de l'autre, ta-ta-ta-ta. Ils ont fait ça de même, c'est ça. Ce soir-là, on était venu pour voir de quoi, on s'attendait à voir de quoi dedans le ciel, puis on a vu ça là. J'avais jamais vu une affaire de même, tu sais. Ça me semblait clair au début que c'était pas un avion, là. C'était pas un ballon, c'était pas... C'était peut-être un phénomène X, mais même là, ça brillait tellement fort. Ça peut pas être... Bon, OK, alors le prochain témoin, troisième témoin. Puis là, on rentre en passant pour mentionner la direction d'observation. Donc, le nord, la maison qu'on voit au fond, là, c'est on est au nord. Oui, OK. Moi, ce que j'ai vu, c'est 2-3 secondes après eux autres, c'était vis-à-vis le gros arbre pourri, là. Oui. Et puis, c'était à travers la hauteur des branches, là, pratiquement en haut, là. En haut, mais à hauteur des têtes d'épinettes, là. Puis ça descendait tranquillement en s'en allant par là jusqu'à derrière les épinettes, mais à l'autre bout, l'autre rangée là-bas. Ouais. Ça descendait par là? Pardon? Ça descendait. Donc ça descendait doucement comme ça. Ouais. Et puis, moi, ce que j'ai observé, c'était plusieurs lumières dessus, minimum 6, peut-être 7. Mais c'était comme un peu comme des hublots. Oui. Mais c'était, tu sais, admettons qu'il y aurait des néons à l'intérieur, là, tu sais, c'est clair, clair. Mais ça émet pas à l'extérieur. On voit que, comme tu passes devant une maison, c'est bien, bien éclairé à l'intérieur, là, okay. Voilà. Donc, c'est assez éblouissant, là, c'était...
C'était des néons de couleur blanc froid, là, où les lumières là, qu'on torsadait, là, blanc froid. Ouais. Il y a blanc doux aussi là, qui est plus vers le jaune. Là, mais c'était pas vers le jaune, c'était une blancheur. C'était une blancheur, ouais. Donc, et je voyais aucune forme extérieure. À cause, selon moi, le temps où ça s'est passé, c'était comme à la brunante. On commençait à voir des étoiles. Fait que, tu sais, c'est. Ouais. Voilà. Fait que vous distinguiez pas là, le contour là, de l'appareil. Non. C'était flou. C'était. Vous voyez seulement que les hublots, dans le fond, les six, sept lumières se suivaient toujours par rapport à l'autre. C'est un ensemble monobloc. Oui. Donc une par rapport à l'autre, là, il à la même distance, là, ouais, relativement. Il n'y avait pas de jeu entre, certaines distances un par rapport à l'autre, mais c'était un même mouvement continu de toutes les lumières. Là, puis les lumières, justement, est-ce qu'ils étaient distribués équitablement, uniformément, donc une même distance une par rapport à l'autre? C'est ça. Très bien. Puis ça a duré combien de temps environ, cette observation? Moi, je pense que c'était à peu près 3-4 secondes, là, le temps que ça descende. Ça descendait pas vite, là. 3-4 secondes. Ça n'a pas été plus long que ça, mais c'était ça. Aucun bruit. Donc, ça allait assez vite quand même. Là. Pour partir d'en haut, là-bas, jusqu'en bas, là, derrière les arbres, donc ça a duré 3-4 secondes, là, ça allait quand même assez vite. Ça descendait assez vite. Bon. OK. Puis, comme moi, je pense, en bas, là-bas, il y a une vallée, un grand lac. La route qui descend et puis qui tourne, ça contourne un lac qui est plus beau. Fait que ça descendait. Comme vers la vallée, vers le lac. Okay. Voilà, ça s'en allait direction sud-est. Okay.